Méditation sur la personne et sur la vie de Jésus-Christ, le pardon. L'avant-dernière demande du Pater est celle-ci: pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Marc développe cette pensée. Lorsque vous êtes debout pour faire votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et Matthieu dit immédiatement après le Pater: car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. Ainsi, la rémission de nos péchés par Dieu est liée très étroitement au pardon que nous accordons ou que nous n'accordons pas nous-mêmes au prochain pour le tort qu'il nous a fait. Cette idée est développée dans la suite. Après que Jésus a parlé de la correction fraternelle, il est dit: « Alors Pierre s'approchant de lui, « Seigneur, dit-il, si mon frère pêche contre moi, combien de fois lui pardonnerai-je? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit: « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Le pardon ne doit pas être quelque chose d'occasionnel, d'anormal, mais s'intégrer solidement dans l'existence et exprimer habituellement les dispositions de l'un envers l'autre. Pour inculquer à ses auditeurs qu'il s'agit d'une chose de la dernière importance, que le sort de l'homme devant Dieu dépend de son attitude vis-à-vis de celui qui lui a manqué, Jésus raconte tout de suite après l'histoire du roi qui demande des décomptes. Il fait examiner les livres, trouve une dette énorme chez un employé et exige la confiscation des biens, ainsi que la mainmise sur la famille et la personne de l'infidèle, afin de couvrir la dette. L'homme demande grâce et son maître, qui est un grand cœur, lui remet la dette. Mais à peine a-t-il quitté le lieu qu'il rencontre un collègue qui lui doit une somme beaucoup moins élevée. Aussitôt, il le saisit à la gorge, n'accepte ni ses excuses ni ses supplications et le fait mettre dans la prison qui était autrefois dans ce cas très dur. Le roi, apprenant ce qui s'est passé, irrité par l'insensibilité de cet individu, lui fit subir le sort même qu'il avait infligé à son débiteur. La conclusion est celle-ci: « Ainsi vous traitera mon Père céleste si chacun de vous me pardonne à son frère du fond de son cœur. » S'il a été question ici de celui qui nous a fait tort, le reconnaît et veut le réparer, le passage précédent du même chapitre parle de celui qui ne reconnaît pas ou ne veut pas reconnaître ses torts. « Il faut occuper de cet homme, dit Jésus. Tu ne dois pas, avec irritation et sentiment de la supériorité, ignorer le fait qu'il a des torts envers toi, mais aller vers lui et mettre tout en œuvre pour qu'il rentre en lui et que l'affaire soit liquidée. Ce ne sera pas facile. Si tu te présentes avec un air de condescendance morale et de supériorité, comme un maître d'école ou un prêcheur, surtout comme quelqu'un qui réclame son dû, si ce ferment des pharisiens est en toi, l'autre ne remarquera que ta prétention. Sa résistance s'abritera derrière le tort que lui fait réellement ton attitude, et la fin sera pire que le commencement. Si tu veux donc satisfaire aux exigences du Christ, tu devras d'abord surmonter la réaction de ton propre cœur au tort subi, ta rancune, ton obstination à vouloir avoir raison, et devenir vraiment libre. Tu dois pardonner au fond du cœur et renouer avec le véritable moi de ton adversaire, comprimé par son attitude de révolte. Alors tu auras posé les conditions qui feront qu'il t'écoutera. Si tu agis ainsi, s'il cède, alors tu as gagné ton frère. Telle est la grande doctrine de Jésus au sujet du pardon. Il l'a développé avec insistance et en a fait l'un des points fondamentaux de son enseignement. Pour la comprendre sous ses aspects les plus essentiels, nous nous interrogerons nous-mêmes à son sujet jusqu'à ce que nous soyons arrivés à la racine. Que doit surmonter un homme en lui-même pour pouvoir vraiment pardonner? D'abord, tout au fond, dans le domaine de la pure nature, c'est le sentiment qu'il a vraiment affaire à un ennemi. Le sentiment de l'ennemi réside aussi dans l'animal.
Il s'étend aussi loin que la fragilité de la vie. Suivant les espèces, la conservation de l'un met en question la vie de l'autre. Il en est de même pour l'homme que le péché a engagé profondément dans cette lutte pour la vie. L'autre qui m'a fait du tort ou qui a pris un objet de valeur est mon ennemi. Les sentiments instinctifs de méfiance, de crainte, d'antipathie s'élèvent contre lui. Je cherche à me protéger contre lui. Ce qui réussit le mieux, c'est je garde bien éveillé en moi la conviction qu'il est dangereux, si mon instinct est sur la défensive, si je suis toujours prêt à frapper. Pardonner à ce point de vue, c'est renoncer à cette attitude défensive de la haine naturelle, quelque simple et sûre qu'elle soit apparemment. Je dois dompter la peur, oser m'avancer sans armes, persuader que mon meilleur moi ne peut être blessé par l'ennemi. Cela ne veut pas dire, évidemment, que je dois m'illusionner sur le pouvoir de nuire de celui qui me veut du mal, et naturellement, je dois faire le nécessaire pour me protéger, pour être vigilant et résolu. Il s'agit ici de quelque chose de plus profond, du pardon. Il exige comme condition préalable un courage issu d'une très intime sécurité. La plupart du temps, le succès lui donne raison, car celui qui pardonne vraiment est plus fort que celui qui craint et celui qui hait. Le désir de vengeance est un peu plus proprement humain. Il n'est pas une réaction au danger de mort, mais au danger de perdre sa réputation d'homme fort et son honneur. Si l'autre a réussi à me faire du mal, c'est un signe qu'il est plus fort que moi. Si j'étais ce que je devrais être, il ne se le serait pas permis. L'instinct de vengeance veut rétablir ma confiance en moi-même en humiliant l'ennemi. L'abaissement de l'autre me relève à mes propres yeux. Pardonner, c'est renoncer à cette satisfaction et cela suppose que ma confiance en moi-même, loin de dépendre de la conduite d'autrui à mon égard, trouve sa raison d'être dans mon honneur intérieur que personne ne peut atteindre. Le succès de cette façon d'agir montre de nouveau que j'assure ainsi mieux ma réputation elle-même, car cette liberté enlève son venin à la blessure et désarme spirituellement l'ennemi. L'aspiration est à la justice est un sentiment encore plus spirituel. La justice est l'ordre non des choses et des forces, mais des relations entre personnes humaines. Que la personne soit traitée suivant les exigences de sa nature, que toutes les personnes respectent mutuellement leurs droits et s'entendent entre elles, c'est la justice. Quand un autre me fait tort, cet ordre est troublé, et précisément là où je suis le plus intéressé, en moi-même. Le sentiment s'élève là contre. Le désir élémentaire de justice est souvent pure crainte et appartient à cette zone inférieure dont il a été question, car le bon ordre protège. La fierté blessée et le désir de vengeance sont autres. Ils sont satisfaits quand la justice est mise à leur service. Tout au fond, il y a la volonté de me voir traité conformément à ma dignité. L'expression la plus simple en est la vieille loi du talion, œil pour œil, don pour don. Que l'autre soit traité comme il m'a traité, ainsi le tort sera réparé et l'ordre rétabli. À ce point de vue, pardonner serait d'abord renoncer à châtier soi-même en vertu des exigences de la justice. En laissant ce soin aux autorités ordinaires, à l'État, au destin et finalement à Dieu, la volonté commence à se purifier, mais le pardon ne mérite vraiment son nom qu'en renonçant au châtiment de l'autre. Il quitte alors le domaine de l'équivalence, où il y a douleur contre douleur, dommage contre dommage, expiation contre faute, pour entrer dans celui de la liberté intérieure. Là aussi, l'ordre est rétabli, non pas avec des poids et des mesures, mais par une victoire créatrice remportée sur soi-même. Le cœur alors s'élargit, donne passage à la magnanimité et à la magnificence, figurations humaines de cette puissance divine appelée grâce. Le pardon rétablit l'ordre en absolvant l'autre et en lui donnant ainsi un droit nouveau. Mais pourquoi agir ainsi ? La question vaut vraiment la peine d'être posée. Pourquoi pardonner? Pourquoi ne pas faire justice? Celle-ci n'était pas le meilleur. Quelques indices qu'il est plus humain de pardonner
Celui qui réclame son droit s'exclurait de la communauté humaine, s'érigerait en juge. Mais ajoute-t-il, on ne doit pas oublier qu'on est un homme parmi les hommes et qu'un sort commun nous lie. On doit donc élargir son cœur et se détacher de soi-même. Mais pour comprendre cela tout de suite, il faut avoir une nature déterminée, un altruisme naturel. Et s'il est vrai que nous connaissons des hommes qui sont ainsi faits, nous savons aussi que ces dispositions peuvent en provoquer d'autres moins heureuses. La faiblesse, le manque de dignité, la négligence des choses qui ne sont pas négligeables, la trahison de la vérité et du droit, même l'explosion soudaine et incalculable de la vengeance et de la cruauté. D'autres prétendent que la volonté de justice est en fait pure servitude. Celui qui pardonne se libère, il ne dépend plus du tort fait par l'autre. Pour comprendre cela facilement, il faut aussi une sensibilité d'une espèce précise. Il faut être dans une certaine mesure impersonnel vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres hommes. Mais cette disposition aussi a son revers, la tendance affirmitière de la dignité et des droits de toute personne. On pourrait signaler encore la noblesse du pardon, les valeurs suscitées par la générosité et la magnanimité, d'autres aspects encore. Tout cela serait exact, mais n'exprimerait pas encore le vrai sens du Nouveau Testament. Le Christ n'appuie pas son exhortation sur des considérations sociales et morales ou seulement terrestres, mais il lie le pardon des hommes à celui de Dieu. Ce dernier pardonne le premier et à proprement parler l'homme et son enfant. Le pardon humain est donc issu du pardon divin et paternel. Nous demandons au Père de nous pardonner comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait tort. Et Jésus souligne, si en commençant à prier, tu te rappelles que tu as quelque chose contre un autre, pardonne-lui. Si tu ne le fais pas, ton ressentiment se placera entre le Père et toi et l'empêchera de t'exaucer. Cela ne veut pas dire que Dieu nous pardonne seulement parce que notre charité pour le prochain nous en rend dignes. Son pardon est pure grâce qui ne se fonde pas sur notre dignité, mais la fonde. Mais à l'intérieur de ce monde de grâce, il y a une place dans le cœur pour la magnanimité divine. C'est l'inclination à pardonner au prochain ses torts. Si nous lui refusons cela, nous nous excluons nous-mêmes du pardon de Dieu. Le passage de saint Matthieu va plus loin encore, le voici. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Ici donc, celui qui a fait du tort ne veut pas être pardonné du tout. Il ne reconnaît pas ses torts ou s'y enfonce davantage. On a dit fort justement que c'est de devoir quelque chose au prochain qui irrite le plus profondément l'homme. Si donc tu as l'évidence que l'autre t'a manqué, tu ne dois pas te désintéresser de ce mal, de cette chose dure qui brise la sainte fraternité. Va le trouver toi-même, cherche à le convaincre, afin que la bonne entente, fruit du pardon, soit rétablie. Ceci montre clairement que le pardon fait partie d'une réalité plus vaste qui est l'amour. C'est la forme que prend la charité quand on lui fait du tort. Nous devons pardonner parce que nous devons aimer. Voilà pourquoi le pardon est si libre. Il jaillit de lui-même, ou plus exactement du pardon simultané de Dieu. Il est créateur. Celui qui pardonne comme celui qui aime son ennemi est semblable au Père qui laisse son soleil luire sur les justes et les injustes et pleuvoir sur les bons et les mauvais. Si tu fais cela, si tu as amené l'autre à reconnaître son tort, si ton pardon a rétabli l'entente entre vous, alors tu as gagné ton frère, alors les relations fraternelles sont rajeunies. Pour celui qui pense ainsi, l'autre est précieux. De le savoir dans son tort, lui fait mal comme le péché, fait mal à Dieu en éloignant de lui. Et de même que Dieu désire regagner l'homme perdu, ce qui ne peut se faire que par une conversion intérieure, ainsi l'homme instruit par le Christ ne demande qu'une chose, c'est que celui qui l'a blessé reconnaisse sa faute et rentre ainsi dans la communauté de la vie sainte.
C'est le Christ qui est le modèle suprême ici, il est le pardon vivant. En vain chercherions-nous en lui un de ces mouvements qui entravent le pardon. Pas de crainte en lui, son âme est dans une sécurité intangible et va au danger en sachant que le Père est avec lui. Pas de vengeance non plus, on lui fait endurer des injustices incompréhensibles, allons non seulement contre tout honneur humain mais aussi contre l'honneur de Dieu, allons jusqu'à ce blasphème que son activité sainte a partie liée avec Satan. Il est vrai qu'alors sa colère s'enflamme, mais c'est une colère divine provoquée par ce sacrilège, ce n'est pas un sentiment de vengeance. Son attitude vis-à-vis de lui-même ne dépend aucunement de la conduite des autres, il est absolument libre. Quant à peser et à mesurer la justice, il est venu précisément pour la remplacer par la grâce infiniment supérieure et pour éteindre la dette des hommes par son pardon. Il a fait cela au prix de sa vie personnelle. Il n'a pas seulement apporté le message que le Père Céleste pardonne, mais il a réalisé ce pardon en le scellant de son sang. La faute des hommes contre Dieu est devenue, nous le savons, une injustice épouvantable contre Jésus-Christ. Toute la méchanceté cachée dans le cœur de l'homme s'est éveillée devant le signe de contradiction et s'est retournée contre lui. Il n'a pas cherché à y échapper, mais à considérer le tort dont il était l'objet comme l'expression du tort fait à Dieu. Il a mis le sceau au pardon du Père qu'il a l'émission d'apporter en pardonnant lui-même et en faisant de l'injustice que les hommes ont commise envers lui une expiation du péché des hommes. Ses dernières paroles furent « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Avec cela, nous sommes arrivés aux dernières profondeurs. Le pardon de Dieu n'a pas été une simple rémission, mais une expiation. Il n'a pas seulement éteint le péché, mais rétabli la justice. Il a pris sur lui-même la lourde dette qui devait peser sur les épaules du pécheur. C'est le sens de la rédemption chrétienne. Celle-ci n'est pas seulement un événement qui s'est passé autrefois en notre faveur, mais forme le centre même de l'existence chrétienne. Nous vivons de l'œuvre rédemptrice du Christ, mais sa forme est entrée dans notre vie de chrétien et doit y être mise en valeur. Nous ne pouvons être rachetés sans que l'esprit de la rédemption agisse en nous. Nous ne pouvons jouir de la rédemption sans y contribuer. Notre contribution, c'est l'amour du prochain, et cet amour devient pardon dès que le prochain prend à notre égard l'attitude que nous prenons à l'égard de Dieu, c'est-à-dire dès qu'il nous a fait du tort.